La bioinformatique, c'est un domaine qui est très vaste, qui consiste en l'application des méthodes informatiques et mathématiques à des problématiques du vivant. On peut avoir par exemple la diffusion d'un virus, la modélisation du déplacement d'une espèce animale ou le diagnostic de maladies chez l'homme. Ça fait appel à tout un tas de méthodes informatiques et mathématiques qui sont de plus en plus complexes parce qu'on a aujourd'hui accès à des données qui sont de plus en plus importantes, hétérogènes, et donc on a besoin d'une modélisation scientifique vraiment de qualité qui fait appel à des méthodes complexes. Pendant mon stage, on s'est intéressé à un virus. C'est le virus de la panachure jaune du riz. Donc, comme son nom l'indique, c'est un virus qui touche le riz et qui aujourd'hui n'est présent qu'en Afrique, donc à la fois sur le continent africain et sur Madagascar. Pour ça, on a fait appel à un domaine un peu particulier de la bioinformatique qui s'appelle la phylogéographie. Un domaine d'application assez particulier qui vise à reconstruire l'évolution, donc à la fois spatiale et temporelle, donc quand on dit temporelle, ça va être génétique, d'un virus. Pour ça, on se base sur des modélisations de statistiques bayésiennes. Ça nous permet de reconstruire à la fois sa diffusion spatiale, donc par où est-ce qu'il est passé dans le temps, et comment est-ce qu'il a évolué génétiquement. Donc là, on a besoin d'épidémiologistes qui vont apporter des données historiques, des données biologiques justement, qui vont nous permettre d'interpréter finalement cette reconstruction phylogéographique qui n'est que des données sur une carte. Par exemple, dans le cadre du virus de la panachure jaune du riz, ça nous permet de voir que c'est un virus qui globalement se diffuse principalement de proche en proche. On pense que ça peut être lié par exemple à des insectes qui diffusent le virus, mais aussi de temps en temps qui va faire des grands bonds dans l'espace. Et ça, c'est très lié probablement à l'activité humaine. Par exemple, quand on déplace des grains de riz infectés, ça peut avoir un impact sur la diffusion du virus. Le fait d'avoir ces reconstructions, l'évolution spatio-temporelle d'un virus comme celui de la panachure jaune du riz, ça nous permet de mieux le comprendre, de mieux comprendre son évolution et donc potentiellement de mieux le contrôler. C'est un virus qui, quand il touche le riz, va impacter le rendement de la culture entre 25 et 100%. Donc il y a des vrais enjeux sur la souveraineté alimentaire du continent et il y a aussi un vrai enjeu à ce qu'il ne se diffuse pas en dehors du continent africain, puisqu'aujourd'hui, pour une raison qui nous échappe un petit peu, il n'est resté que sur ce continent. Le fait de voir comment est-ce qu'il s'est diffusé sur tout le continent et sur Madagascar, ça nous permet d'avoir des stratégies, peut-être par exemple, pour mettre des parcelles sur des zones moins à risque par rapport à l'évolution du virus. Et ça nous permet aussi de développer des nouvelles souches qui seront potentiellement plus résistantes à ce virus, des nouvelles souches de riz.